une vraie rockstar. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir de revoir une salle pleine. Ça ne nous est pas arrivé depuis très très longtemps à l'Espace des Sciences, et pourtant vous le savez, avant tous ces problèmes de grève, de salles indisponibles pendant un an et demi, puis de pandémie bien sûr, nous n'avions pas retrouver tout à fait notre public, donc ça nous fait vraiment un grand grand plaisir que vous soyez là. Bien sûr, je sais bien que c'est pas pour moi, hein, c'est pour Étienne Klein, mais nous en sommes très très heureux, et je remercie Étienne Klein d'être avec nous ici ce soir aussi, parce que on prévoit notre programme longtemps à l'avance, et que des choses s'ajoutent dans l'emploi du temps d'un conférencier, d'un scientifique, et que là demain la journée va être très très dur, donc il va partir très tôt demain matin. Deux émissions de radio à enregistrer, une conférence en plus. Donc merci Étienne, merci beaucoup d'être venu ce soir pour retrouver le public rennais que je crois tu apprécies. Ouais, j'ai dit tu, je voulais dire vous. Je voulais dire vous parce que ça fait mieux. Mais bon, on se connaît depuis très longtemps parce qu'Étienne Klein est venu depuis 2008 ici participer aux conférences, au mardi de l'Espace des Sciences sur des thèmes extrêmement variés. Mais donc ça fait quand même 14 ans, hein, 14 ans qu'on se connaît. Voilà. Et la dernière fois, il faut quand même aussi le préciser, la dernière fois, c'était dans une salle autre que celle-ci, puisque celle-ci était indisponible, et c'était dans une salle vide. Pas tant que ça. Comment ça, pas tant que ça? Il y avait Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des Sciences, notre équipe technique, moi. Non, mais le vide n'est jamais aussi vide qu'on le dit. C'est ça que je voulais dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, en tout cas, nous sommes vraiment très, très heureux de vous recevoir ce soir, cher Étienne, pour la 8e ou 9e fois. On compte plus. Quand on aime, on compte plus. Ce que je voulais dire juste, si vous permettez, deux petites informations avant de commencer. Et si Étienne me le permet, et il m'a dit qu'il me le permettait, abonnez-vous à l'Espace des Sciences. Si vous payez 30 euros pour l'année, vous avez accès illimité aux salles d'exposition. Nous avons 3 salles d'exposition à l'Espace des Sciences, vous le savez peut-être. Accès illimité au planétarium et des coupes-files si vous voulez venir assister aux conférences de l'Espace des Sciences qui vont retrouver un grand grand public comme avant. Donc voilà, c'était une petite information que mon chef me dit toujours que j'oublie de dire. Alors voilà, vous ne lui répétez pas, mais c'est fait. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un nouveau numéro de Science Ouest qui vient de sortir, qui est absolument passionnant. On a eu une très belle conférence sur les algues et tout le bienfait qu'elles peuvent nous apporter il y a 15 jours à peu près. Et le dossier de Science Ouest, cette fois-ci, est sur les algues vertes. Alors là, elles sont un peu moins sympathiques, les algues vertes. Qui nous pose beaucoup de problèmes sur les côtes bretonnes. Science Ouest, c'est le magazine de l'Espace des Sciences en Bretagne qui donne toutes les informations sur les recherches qui se font chez nous. Donc j'ouvre le magazine, et qu'est-ce que je trouve? Une information d'un physicien sur le fait que, alors ça s'intitule « Le dénouement des fils torsadés », il est dorénavant possible de prédire le nombre de torsions à effectuer entre plusieurs fibres pour obtenir un fil robuste, monsieur. Et ça, c'est une découverte made in Bretagne. Est-ce que vous en mesurez l'importance? Oui, enfin, c'est pas là qu'il y a le plus d'alpinistes, mais bon... Mais on s'y met, on s'y met, on s'y met. Merci à Jérôme Crassou d'avoir réussi ce travail. On parle aussi dans cette conférence. Est-ce que vous saviez, Étienne, qu'il existe des éponges de verre dans la mer? Oui. Eh bien voilà, je vous le dis. Donc, de toute façon, vous avez un numéro de Science Ouest dans votre loge. Il existe des éponges de verre dans la rade de Brest, et c'est une très bonne nouvelle. Bon, j'en dis pas plus, hein, vous lisez le magazine et puis vous en saurez beaucoup plus. Et puis donc le dossier, c'est un dossier consacré aux algues vertes, et bien sûr, c'est un sujet extrêmement
polémique, mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir. C'est un très, très bon magazine sur l'actualité scientifique en Bretagne. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous annonce tout de suite que nous avons 250 spectateurs en direct sur Internet. Voilà. Alors, Étienne Klein, je ne vais pas vous le représenter comme je le fais d'habitude, avec son itinéraire, etc., parce que je vous invite à revoir les conférences que nous avons faites ensemble avec Étienne depuis donc 2008. La dernière où l'on a évoqué longuement, puisque c'était une carte blanche, Étienne, on a évoqué longuement votre parcours, tous les livres que vous avez écrits, il y en a beaucoup, et je vous signale que la librairie Le Fayeur est là, présente, et que vous pourrez éventuellement découvrir ces livres sur leur table et les faire signer par Étienne à l'issue de cette conférence. Étienne est physicien et philosophe des sciences. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, faut pas oublier d'ajouter ça maintenant, hein, c'est important. Donc voilà. Et puis Étienne Klein, c'est aussi quelqu'un que vous entendez peut-être sur France Culture, si vous êtes des auditeurs de France Culture. Alors il y a eu pendant longtemps une émission qui s'intitulait Conversation scientifique, et elle a changé de titre là. Elle est devenue Science en question. Pourquoi? Ah ben, je ne sais pas. Je ne suis pas à l'initiative de ce changement. Mais c'est sans doute parce que pendant le Covid, la mise en scène de la science et de la recherche... Que vous avez dénoncé. Enfin, un certain comportement, en tout cas, oui, a créé quelques traumas dans les services publics. Et donc, sans doute, c'est une façon de dire que l'émission doit se concentrer sur la pédagogie scientifique, puisque la vulgarisation scientifique a montré... qu'elle n'avait pas les succès qu'elle prétendait avoir. Voilà. Donc il s'agit d'être plus pédagogue qu'avant et sans doute de moins se disperser. C'était surtout après la parution du petit pamphlet paru chez Gallimard. C'est pas un pamphlet, c'est un tract. Non, il n'y avait pas du tout d'agressivité. C'est un texte que j'ai écrit. Alors pour le coup, rapidement, en 3 jours. Oui. 3 jours et 3 nuits. Oui. Mais quand même. Parce que j'étais un peu. Voilà. Oui, quand même. Non, ce qui a déclenché ce tract, c'est la publication d'un sondage le 5 avril 2020. Le tract a été écrit quelques mois plus tard dans un journal qui s'appelle Le Parisien, dans lequel on demandait aux personnes interrogées est-ce que tel médicament, dont on parlait beaucoup à l'époque, mais dont j'ai oublié le nom, oui, est aussi. Efficace contre le Covid ? Je vous rappelle qu'au tout début de l'épidémie, on savait déjà que 98% des personnes malades guérissent sans traitement. Et donc, si vous voulez montrer qu'un traitement est efficace, pour passer par exemple de 98 à 99% de guérison, je vous laisse faire le calcul statistique qui dit le nombre de malades qu'il faut avoir à disposition pour montrer l'efficacité d'un médicament. Et au début de l'épidémie, nous n'avions pas ce nombre de malades. Donc à la question qui était posée aux personnes interrogées, il n'existait aucun être humain capable de répondre à la question. Et ce qui m'a surpris, c'est que 59% des réponses étaient oui, 20% étaient non, et 21% seulement étaient je ne sais pas. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut répondre à une question dont personne ne connaît la réponse ? Comment est-ce qu'on peut être aussi prompt à se déclarer expert à propos d'une question dont personne ne connaît encore la réponse ? Et j'ai vu qu'ensuite, toutes ces questions étaient réglées, discutées, non pas du tout à partir de l'examen des articles. Je parle des articles revus, pas des articles qu'on mettait sur Twitter directement. Mais à partir de ce qu'on pourrait appeler le halo symbolique des personnages qu'on entendait sur les plateaux de télévision. Et ça m'a paru être quelque chose qui montrait qu'on n'avait pas bien compris ce qu'est la science, qui est une entreprise collective. Un scientifique qui parle à la télévision, surtout en cas de crise, doit dire « nous savons que », il dit « nous, pas je », on s'en fiche de l'opinion des scientifiques. Enfin, moi, j'ai confiance dans aucun scientifique. Au sens où il n'existe pas de scientifique
qui aurait suivi des cures de désintéressement. Il n'y a pas de scientifique qui soit objectif, parce que tout le monde est subjectif, a de la subjectivité. Il n'y a pas de scientifique qui ne se trompe jamais, parce que tout le monde se trompe. Il n'y a pas de scientifique qui ne subisse pas d'influence, puisque tout le monde en subit. Donc les scientifiques, ils sont comme tout le monde. La seule chose qu'on leur demande, et c'est ça qui fait l'objectivité de la science, qui ne doit rien à l'objectivité des scientifiques, c'est quand on a une question pour laquelle on sait qu'il n'y a pas la réponse, on fait des recherches, on obtient des résultats, et la seule chose qui soit demandée aux scientifiques, c'est, avant de les mettre sur Twitter, de les présenter à d'autres personnes qui travaillent sur des sujets voisins et mènent des travaux analogues pour recueillir leurs critiques, qui peuvent être sévères. Et ensuite, vous allez retravailler pour améliorer vos résultats, tenant compte des critiques que vous avez reçues, et vous revenez les présenter à nouveau, et au bout d'un certain temps, qui peut être très long, on obtient ce qu'on appelle un résultat scientifique, qui permet de dire qu'on a fait parler un bout du réel. Voilà, c'est ça la science. C'est, Karl Popper disait, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Ça veut dire que c'est d'abord des engueulades. C'est pas des avis personnels, on s'en fiche complètement. Et moi, j'ai été assez effaré de voir des personnalités mises en avant qui disaient « je ». Voilà, on s'en fiche du « je ». Un scientifique qui parle, surtout quand les gens sont inquiets, doit dire « nous savons que », ça c'est la science, et nous demandons si, nous nous demandons si, ça c'est la recherche. Faire de la recherche, c'est savoir qu'on est ignorant. L'ignorance, c'est pas l'affaire des ignares. Parce que les ignares ignorent qu'ils ignorent. L'ignorance, c'est l'affaire des gens qui savent qu'ils ignorent. Et donc, ils savent qu'on ne connaît pas la réponse à telle question qui se pose. Et quand on leur pose la question, ils répondent « nous ne savons pas ». Mais quand nous entendons un savant qui dit « nous ne savons pas », nous pensons que c'est un mauvais savant. Et donc, ils se trouvent médiatiquement détrônés par des gens qui parlent au-delà de ce qu'ils savent, qui sont sûrs d'eux. Et c'est une prime qui est donnée à l'arrogance. Et ça m'a paru être une catastrophe. Voilà. Voilà. Donc, réaction, vous pourrez voir. Et puis la science, elle est en mouvement, elle avance, elle se trompe, elle fait des découvertes, etc., etc. Et justement, j'avais une question. Je suis pas d'accord. Hein? La science, elle bouge pas. J'ai dit pas une bêtise. Oui, enfin, non. Ah bah enfin, non. Oui. Elle bouge. Enfin, je vais dire non parce que je veux revenir à Rennes, mais la science, ça bouge pas tellement. Et ce qui bouge, c'est la recherche. Ah oui. C'est-à-dire oui. que justement, oui, oui, le fait ça. Qu'on ait oui. confondu la science et la recherche, qu'on ait fait comme si c'était la même chose, oui. c'est une autre sorte de catastrophe. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. C'est pas forcément des vérités absolues, définitives, oui, etc. Il peut y avoir des remaniements. De l'importance des mots. Mais quand même, il y a des questions qui sont réglées. Mm. Voilà, la Terre est ronde, elle n'est pas plate, elle n'est pas sphérique, mais elle est quand même plutôt ronde que plate. L'atome existe. L'atome qui existe n'est pas celui qui avait été pensé par les Grecs. L'univers observable est en expansion. Les espèces vivantes évoluent. Bon, c'est bon, quoi. Mm. On va pas pratiquer une espèce de doute systématique pour remettre en cause l'existence de l'atome ou la forme de la Terre. D'ailleurs, quand vous avez... Non, mais je veux juste finir ça. Quand vous avez une connaissance scientifique qu'il ne vous plaît pas, vous avez évidemment le droit de la critiquer ou de la contester, bien sûr. Mais vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où vous avancez des arguments scientifiques. Vous ne pouvez pas le faire simplement avec votre ressenti, je ne le sens pas, ou bien votre bon sens, ou bien vos croyances, vos préjugés, etc. Non, ça ne suffit pas. Il faut des arguments scientifiques. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les sciences ou la science, ce corpus de connaissances dont je parle, il pose des questions auxquelles il ne répond pas. Et donc la science pose des questions pour lesquelles les réponses lui sont inconnues.
Et c'est pour répondre à ces questions qu'on fait de la recherche. Par exemple, est-ce que le neutrino est identique à son antiparticule ? La question se pose, la réponse nous est inconnue. Donc on fait de la recherche. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre ? On n'en sait rien, donc on fait de la recherche, etc., etc. Et donc, le moteur de la recherche, j'ai bientôt fini, le moteur de la recherche, c'est le doute. C'est parce que nous savons que nous ne savons pas que nous faisons de la recherche. Mais quand on confond la science et la recherche comme on l'a fait pendant des mois, ben, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à dire, la science et le doute. Et on y croit d'autant plus qu'on voit sur les plateaux de télévision des gens, experts, qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc si les experts ne sont pas d'accord entre eux, et si en plus la science et le doute, pourquoi moi, citoyen, avec mes croyances, mon ressenti, mon intelligence, mon bon sens, je n'irai pas dire orbi et tourbi ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Pourquoi j'irai pas dire ma petite phrase ? Et ça crée la confusion dans laquelle on a été et qui, je termine là-dessus, est une singularité française. Les études l'ont montré, le seul pays d'Europe dans lequel la confiance dans la parole scientifique s'est effondrée, alors qu'elle était très forte au départ, c'est la France. Elle a été stable en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Je vous invite à lire le rapport du Conseil économique et social du mois d'octobre 2021, rédigé par l'équipe de Daniel Cohen, et vous verrez que la France, effondrement, en a perdu 25 points en 18 mois, ce qui est énorme. Et donc, il faut s'interroger sur notre façon française de parler de la science et de la recherche dans les médias. Bon, je viens de prendre une grande claque, mais ce n'est pas pour ça que je ne vous inviterai pas de nouveau à venir à Rennes. Étienne, je vous en remercie, parce que c'est vrai que c'est l'importance des mots. Donc, la recherche avance, se trompe. Oui, mais elle avance. Mais parfois, si vous voulez, il y a des découvertes, qui augmentent notre ignorance. Oui. Quand j'étais étudiant, on nous disait que la matière, c'est des protons, des neutrons avec des quarks dedans. Et ça fait l'intégralité du contenu de l'univers. Depuis, la matière noire, l'énergie noire. Et ces découvertes nous montrent qu'on en savait moins que ce qu'on pensait. Autrement dit, il y a des découvertes qui nous font prendre conscience que notre savoir était en fait une ignorance cachée. Donc quand on dit que ça avance, c'est pas de façon linéaire, il peut y avoir des reconstructions. Sûr. C'est ce que je voulais dire. Alors justement, Étienne, il y a 14 ans, donc en 2008, vous êtes venu nous présenter une conférence qui s'intitulait « Peut-on voyager dans le temps ?». Ça fait donc 14 ans. Et je me disais, est-ce que Étienne réécrirait cette histoire de la même façon maintenant, 14 ans après ? Toujours dans l'idée que... voilà. Bon, d'abord, si je devais parler aujourd'hui, je prendrais acte du fait qu'il a été démontré depuis qu'il est possible de voyager dans le temps et même de faire advenir le futur à l'avance. J'ai vu des affiches à Paris pour les campagnes des élections législatives où il y a un monsieur qui est déjà Premier ministre. Donc, donc je me suis dit, même si on prend de la mécanique quantique avec de la rétrocausalité, c'est impossible de faire advenir un événement qui n'a pas eu lieu dans le présent. Mais là, il semblerait que cette thèse, que je croyais fondamentale, en fait, ait été bafouée par l'expérience. Et comme un fait est parfois capable d'anéantir une théorie physique, je rends les armes et je déclare mon incompétence à parler de la causalité et du temps. Mais pour répondre sérieusement, il y a eu pas loin d'ici, en Normandie, bon, c'est pas loin. Cet été, un colloque que j'ai organisé avec Vincent Montand, un collègue qui s'appelle... philosophe. Le colloque s'appelait « Les autres noms du temps ». Parce qu'en fait, on était agacés d'entendre tout le monde, notamment les chercheurs de disciplines différentes, qui attribuent des qualificatifs au temps. Le temps ceci, le temps psychologique, le temps physique, géologique, etc. Comme si le temps ressemblait au phénomène temporel. Comme si le temps avait les attributs de ce qui se passe dans le temps. Bon. Et si le temps a des habits d'Arlequin, mais c'est même plus un concept. Il n'y a qu'à parler des temporalités, mais pas du temps.
qui doit normalement transcender l'apparence des phénomènes qu'il contient. En plus, s'il y a autant de temps qu'il y a de temporalité, ben le temps n'est plus pensable, c'est plus un concept, c'est juste un mot qui est complètement vide, d'autant plus qu'il est victime d'une polysémie fulgurante. On emploie le mot « temps » pour dire la durée, on dit « on mesure le temps ». Ben non, on n'a jamais mesuré le temps, on mesure des durées. Et d'ailleurs, ce qu'on mesure, ce n'est pas des durées, mais des avatars des durées par le biais d'une spatialisation. Donc on pourrait étendre tout ça. On utilise le mot « temps » pour dire la succession, le changement, le devenir, la vitesse, etc. Et ça fait trop pour un seul mot. Et donc ce qu'on a demandé à des chercheurs de toutes disciplines, physique, biologie, des philosophes, des historiens, des physiciens, etc., de dire en une heure la même chose que ce qu'ils disent pendant leur conférence, mais en s'interdisant d'utiliser le mot « temps ». C'est-à-dire qu'à chaque fois que le mot « temps » pourrait advenir, ils le remplacent par un autre mot qui dirait de façon plus précise ce qu'ils ont à dire. Ça a marché. Et ils avaient chacun, avant de parler, une petite boîte dans laquelle il y avait 20 jetons. Et à chaque fois qu'ils disaient le mot « temps », ils perdaient un jeton. Sauf s'ils étaient capables de dire pourquoi c'était le mot « temps » qui devait être employé, en l'occurrence, et pas un autre. Bon, après, il y en a qui ont rusé. « Je dis le mot qu'on n'a pas le droit de dire », etc. Mais la plupart ont terminé sans aucun jeton, quoi. Sauf moi. Ouais, mais pas, c'était triché, donc, là. Donc, ça veut dire, la conclusion, c'est que le mot « temps » est tellement inséré dans le langage, il est tellement inséré dans des habitudes de pensée et des façons de dire, qu'il devient vain d'espérer pouvoir le désincruster du langage. On parle du temps comme saint Augustin, 4e siècle après Jésus-Christ, on parle comme lui, c'est les mêmes phrases. Ça veut dire que notre façon de le dire n'a nullement été affectée par notre façon de le penser ou de le décrire, notamment par la physique. Donc, il faut l'accepter et finalement laisser tomber la question de savoir comment faudrait-il parler pour bien parler du temps. Voilà. Autrement dit, le projet de Paul Valéry, qui était de dire il faut procéder à un nettoyage de la situation verbale, c'est impossible. Toujours valable, mais c'est impossible. C'est pareil pour le vide, d'ailleurs. Alors, là, ce soir, on n'était pas là pour parler du temps. On devait faire une présentation très rapide pour vous laisser le temps d'aller nous parler de qu'est-ce que le vide, quand même. C'est une question importante. Je vous regarde, Étienne, et je ne trouve pas vraiment que vous ayez une tête de Gédéon fatigué, c'est ça ? Si je me permets de dire ça de cette manière un petit peu familière, c'est qu'en fait, vous utilisez cette expression au tout début du livre, et c'est une dame que vous aimez bien, qui va vous faire un petit peu réfléchir sur cette question et qui va vous amener à la traiter, une dame que vous aimiez bien, parce que je crois qu'elle est, c'est une grand-mère que vous trouviez élégante et rayonnante, et qui vous a dit ceci, qui était votre voisine, « Étienne, vraiment, vous devriez apprendre à faire le vide, vous verriez la vie d'un autre œil. » Et tout est parti de là. On vous écoute ? Oui. Sur le vide, et puis on revient après parler éventuellement du livre, des autres conférences que vous pouvez toujours revoir sur le site de l'Espace des Sciences, sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous. Donc j'ai plus besoin de ça, si j'ai bien compris. Bon, je dois vous parler là, j'ai bien compris. Alors moi, je devais venir il y a 2 ans, vous vous souvenez, hein, j'avais tout en tête, j'avais révisé dans le train, mais depuis, j'ai pas révisé, donc je ne sais pas très bien ce que je vais dire sur le vide. Je vais improviser. Mais d'abord, vous avez remarqué qu'on est le 10 mai 2022, et c'est l'anniversaire d'un événement qui s'est produit le 10 mai 1933 à Berlin. Devant l'université Humboldt,
de cette grande ville, les nazis ont fait brûler des dizaines de milliers de livres peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Parmi les livres, il y avait ceux de Freud, évidemment, il y avait ceux d'Einstein. Et donc, je voudrais dédier cette conférence aux livres et à Einstein. Alors, ce qui m'a fait m'intéresser au vide, c'est évidemment le fait qu'en physique, c'est une notion importante, mais c'est aussi la similarité du problème du vide avec celui du temps qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que le mot vide est un mot très ancien, comme le mot temps, mais ce qu'on met derrière ce mot n'a pas cessé d'évoluer au cours de l'histoire des idées. Mais on en parle avec les mêmes phrases, du type « la nature a horreur du vide », par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase « la nature a horreur du vide » Quel rôle a-t-elle joué dans l'histoire de la pensée? D'où vient-elle? Et à quel type d'argument a-t-elle servi? Alors, en effet, comme l'a rappelé Maëtte, un jour, j'avais rencontré ma voisine, Aladine Lacroix, une grand-mère charmante avec laquelle j'avais l'habitude de discuter, et me trouvant fatigué, elle me dit cette phrase, « Étienne, vous devriez apprendre à faire le vide. » Et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, cette question, qu'est-ce que ça veut dire faire le vide, m'a interpellé. Non pas tellement le verbe faire, même si faire le vide qu'on assimile parfois au néant, c'est une sorte de contradiction, parce que si faire le vide, c'est faire rien, il y a une espèce de contradiction entre le verbe qui est un verbe d'action, il s'agit de faire quelque chose, donc on se met en action, et quand on comprend que ce qu'on doit faire, c'est rien, ben on s'arrête. Donc c'est une phrase, faire le vide, assez curieuse, et ça m'a amené à travailler, à regarder quelle a été l'histoire de la notion de vide au cours de l'histoire de la pensée qu'on peut faire démarrer chez les Grecs, même si on trouvera des sources à d'autres époques, à d'autres endroits, notamment en Chine ou en Inde, que j'évoquerai s'il y a des questions à ce sujet. Mais je vais me concentrer plutôt sur la Grèce antique, en commençant par cet événement dont on dit qu'il a coupé l'histoire en deux, 5e siècle avant Jésus-Christ, Parménide, qui écrit ses poèmes, et qui écrit cette phrase qui va ensuite poser la question du non-être, comme il l'appelle, ou du néant, comme on dirait aujourd'hui, d'une façon telle qu'on ne pourra plus jamais s'en débarrasser. Et ce que dit Parménide, c'est une phrase qui ressemble à une sorte de truisme, d'évidence, de tautologie. Il dit « l'être est, le non-être n'est pas ». Ce qui n'existe pas n'est pas, et ce qui est, est. Bon. Donc ça l'oblige à évidemment définir ce qu'il appelle l'être. Et pour lui, l'être, il est compact, il est éternel. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas de naissance, il n'a pas de fin. Il a toujours été là. Et ça va fonder ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire la question de l'être. Qu'est-ce qu'on appelle l'être? Qu'est-ce qu'est la question de l'être? Et ça va l'opposer, comme vous le savez, à Héraclite, qui lui va être plutôt un philosophe du devenir, avec l'idée que l'être en tant qu'il est invariable, est une illusion. La seule chose qui soit réelle, c'est le changement. Voilà. Donc on oppose les doctrines de l'être, qu'est-ce qui est fondamentalement, sous les apparences du changement, aux doctrines du changement qui considèrent que l'être n'existe pas. Et ça va faire apparaître une sorte de contradiction entre l'idée d'identité, l'être est toujours identique à lui-même, dit Parménide, et l'idée de changement. Pourquoi il y a contradiction? Parce que quand vous dites d'une chose qu'elle a changé, par définition, ça signifie qu'elle n'est plus identique à elle-même. Et si au contraire, cette chose demeure identique à elle-même, ça signifie qu'elle n'a pas changé. Donc il y a vraiment une contradiction entre l'identité et le changement. Et nous allons, nous, occidentaux, en tout cas ceux qui parlent des langues indo-européennes, comme le français, nous allons résoudre cette contradiction par un stratagème de langage assez bizarre, qui tient en ce que, lorsque nous disons d'une chose ou d'un être qu'il change, le sujet du verbe changer,
ne change pas quand nous disons qu'il change. Autrement dit, en langue française, le sujet du verbe changer, quand on dit qu'une chose a changé, est ce qui n'a pas changé dans le changement. Par exemple, si je dis que mon vélo a changé, à la fin, c'est toujours mon vélo. Ce qui a changé, c'est sa couleur ou la taille de ses pneus, mais c'est le même vélo. Quand vous dites que monsieur un tel ou madame un tel a changé, à la fin, c'est toujours monsieur un tel ou madame un tel. Donc ce qui a changé, c'est son tour de taille, sa couleur de cheveux, ses opinions, mais c'est toujours le même. Donc quand nous disons X a changé, à la fin du changement, nous avons toujours affaire à X. Autrement dit, un changement, ça n'est jamais un remplacement. C'est pas X qui devient autre chose. C'est pas X qui devient Y. D'accord ? Donc la contradiction entre l'identité et le changement s'est résolue artificiellement par ce type de stratagème. Le sujet du verbe changer est ce qui n'a pas changé quand on a dit qu'il changeait. Bon. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que le rapport avec le vide, du coup, me paraît lointain. Mais, bon, c'est posé à partir de Parménide la question de est-ce que le non-être existe ou pas ? Le non-être, c'est ce qu'on appelle le néant. Est-ce qu'il existe ou pas ? Et évidemment, ça va engendrer toutes sortes de débats, ne serait-ce que par le fait que le non-être, dès lors qu'on l'utilise comme sujet du verbe changer, entre en quelque sorte en contradiction avec lui-même. Et c'est Platon, dans son fameux Parménide, qui va montrer certains paradoxes qui sont liés à la posture de Parménide. Mais disons que Parménide va poser pour la première fois, et c'est ça qui a coupé l'histoire en deux, la question de qu'est-ce qui est vraiment. Et à côté de lui, ou pas loin de lui, il y a un autre philosophe grec qui a écrit beaucoup de livres, 80 d'après ce qu'on peut savoir, mais dont il ne nous reste que des fragments. Et ce philosophe, c'est Démocrite. Évidemment, comme il a laissé peu de fragments, on peut remplir les vides par toutes sortes d'interprétations. Mais il est notamment célèbre pour avoir écrit cette phrase en grec ancien, qui est « Le den n'existe pas moins que le meden ». Bon. Alors, meden, c'est le mot grec ancien pour dire le non-être, si vous préférez le néant. Et le den, D-E-N, c'est un mot qui en grec ancien n'existe pas, mais que Démocrite invente. Il invente une sorte de néologisme. C'est comme si nous, on appelait l'être le en, au motif que le non-être, c'est le néant. Il a fabriqué le mot être à propos du mot qui désigne le non-être. Donc, si on traduit en français, ça donne le non-être n'existe pas moins que l'être. Et dans les traductions qui sont proposées aujourd'hui de ce fragment, c'est n'existe que les atomes et le vide. L'être, c'est les atomes. Le non-être, c'est le vide. Et donc, contre Parménide, Démocrite va poser la thèse selon laquelle le vide existe. Bon. Il y a toutes sortes de discussions sur ce problème. Je ne vais pas y revenir ce soir. Mais sachez que le fait que quand Aristote va contester Démocrite, notamment, non pas parce qu'il est contre l'atome, mais parce qu'il est contre le vide que suppose l'atome, Aristote va utiliser le mot kénon, le mot kénon qui désigne le vide en grec, mais kénon c'est pas la même chose que le meden. Bon. Donc je passe sur ces subtilités, mais assez rapidement, Aristote et d'autres vont contester l'idée que le vide puisse exister. Ça va donner la phrase que j'ai rappelée tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Et la distinction entre le néant, l'idée de néant et l'idée de vide va se faire progressivement, elle va être très très longue, au point que par exemple à la fin du XVIe siècle, Léonard de Vinci écrit une lettre à l'un de ses amis dans laquelle il précise qu'il ne faut pas confondre le néant et le vide. Et l'argument que donne Léonard de Vinci, c'est que le vide est associé au moins à une dimensionnalité, à une spatialité, à un volume.
Alors que dans le néant, il n'y a rien, il n'y a même pas d'espace. Donc le néant, c'est vraiment rien. Alors que le vide, c'est déjà quelque chose auquel on peut attribuer, sinon une matérialité, du moins une certaine dimensionnalité. Bon. Alors, restons avant de parler du vide sur cette affaire du néant. Parménide dit, un peu plus loin que la phrase que j'ai citée tout à l'heure, il dit, mais n'existe, ne fait partie de l'être que ce qui peut être pensé. Et on voit que cette phrase est un peu contradictoire, puisque lui-même a pensé le non-être. S'il a pensé le non-être, c'est qu'il a pu penser quelque chose dont il dit qu'il n'existe pas. Bon, je passe sur ces subtilités, mais je retiens simplement que si par un exercice libre de votre entendement, vous tentez de vous représenter le néant, en vous demandant, en fermant les yeux, en disant à quoi ça peut ressembler, vous tentez de l'imaginer, eh bien, sans que vous le vouliez, vous allez faire du néant quelque chose de particulier. La représentation que vous allez en faire va lui attribuer une certaine spatialité, une certaine substantialité, une certaine matérialité que, par définition, le néant ne peut pas avoir. Autrement dit, penser le rien, si vous assimilez le néant au rien, ça n'est jamais penser à rien. Penser le rien n'est jamais penser à rien. Que l'on dira Bergson un peu plus tard, le néant est une idée destructrice d'elle-même. Autrement dit, vous ne pouvez concevoir le néant que si vous n'y pensez pas. Dès que vous y pensez, bah vous en faites quelque chose qui contredit l'idée même de néant. Donc vous voyez, on peut faire quasiment du Raymond Devos avec ça. Hein. Mais je vais évidemment m'en garder. Ensuite, Aristote, comme je l'ai dit, a contesté l'existence du vide, notamment parce que sa conception ou sa physique du mouvement dans l'espace était incompatible avec le vide. C'est-à-dire pour lui, les mouvements ne peuvent pas exister dans le vide. Alors que Démocrite pense exactement l'inverse. Il faut qu'il y ait du vide pour que les mouvements puissent avoir lieu. Mais celui qui va vraiment, théoriser tout ça de façon plus formelle, c'est Roger Bacon, 13e siècle, celui qu'on appelle le docteur Mirabilis, parce qu'il a la réputation de tout savoir, qui lui va écrire cette phrase qu'on utilise encore aujourd'hui, « La nature a horreur du vide ». Phrase assez étonnante, hein, comme le dira Blaise Pascal, parce qu'elle suppose que la nature a des sentiments, en l'occurrence un sentiment de répulsion ou de haine pour le vide. Et donc, ce sentiment de répulsion que la nature ressent pour le vide est utilisé comme argument justifiant certains phénomènes physiques par le biais d'une intervention de la force qu'exerce l'horreur que la nature a pour le vide. Par exemple, à l'époque, on avait déjà remarqué que lorsqu'on met de l'eau dans une bouteille en verre, si on laisse la bouteille à l'extérieur un soir de grand froid, on la retrouve le matin, le lendemain matin, cassée. Bon. Comment expliquer ce phénomène? D'où vient que la bouteille s'est cassée? Explication de Roger Bacon. L'eau est comme tous les corps. Dans sa phase solide, elle est plus dense que dans sa phase liquide. Donc, quand l'eau gèle, elle se contracte dans la bouteille, et donc elle laisse un espace vide. Comme la nature a hors du vide, elle demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide qui menace d'apparaître se manifeste. Non. À l'époque, on n'avait pas compris que l'eau, c'est le seul corps de la nature dont la phase solide est moins dense que la phase liquide. La glace flotte. Mais c'est l'interprétation qu'on avait donnée. Et puis, s'il s'agissait d'interpréter ce qui se passe quand on aspire du jus d'orange avec une paille, c'est un phénomène assez quotidien, mais quand même, on est tellement habitué qu'on ne réfléchit plus, mais c'est quand même très étrange ça. Vous aspirez dans une paille et ça fait monter du jus d'orange. Contre la gravité,
Le jus d'orange devrait rester en bas. En quoi le fait de changer la pression dans la paille fait monter le jus d'orange? On parle d'aspiration. Et ce qu'on va découvrir bientôt, c'est qu'il n'y a pas du tout d'aspiration. Mais notre vocabulaire, c'est comme la nature hors de vide, est resté figé à des façons de dire qui ont été rendues, dont on s'est rendu compte qu'elles étaient fausses, caduques, mais on continue à les utiliser. Alors, explication du jus d'orange. Bah, avant le XVIIe siècle, vous aspirez dans le jus d'orange, pas dans la paille. Si vous continuez, le vide va apparaître dans la paille. La nature a horreur du vide. Donc, elle demande à toute la matière qui est autour, en l'occurrence le jus d'orange, de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide qui menace d'apparaître se manifeste. Autrement dit, l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression, la matière, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, qui est alentour, est invitée à venir coloniser l'endroit de l'espace où le vide peut apparaître. Ben, vous rigolez, mais moi je connais plein de gens qui croient que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a compris que c'est pas du tout comme ça que les choses se passent? En fait, il y a eu deux événements très importants au XVIIe siècle qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais qui mobilisent la même personne, à savoir Galilée. Galilée, comme vous le savez, s'intéresse au mouvement, notamment à la chute des corps, mais il ne s'occupe pas de savoir si le vide existe ou pas. À l'époque, tout le monde pense que le vide n'existe pas, pour les raisons que j'ai dites. Donc c'est même pas un problème. Simplement, Galilée utilise le vide, sans se préoccuper de savoir s'il existe ou non, comme un milieu de pensée. Un milieu de pensée, c'est-à-dire un milieu qu'on peut imaginer, et l'ayant imaginé, on peut essayer de concevoir ce que seraient les lois du mouvement dans ce milieu, qu'il existe ou pas. Autrement dit, c'est une sorte d'invention contrefactuelle. Il imagine un monde dans lequel il y a du vide, sans se poser la question de savoir si le vide existe ou pas, parce que il a, et ça c'est une idée de génie, il a l'intuition que dans le vide, les lois du mouvement seraient beaucoup plus simples. Et en effet, dès 1604, il va écrire que des corps de masses différentes tombant dans le vide tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse, leur forme, leur densité, etc. Et que leur vitesse de chute serait proportionnelle à la durée de la chute. Donc c'est une loi mathématique simple. Les lois auxquelles ils pensent sont tellement simples qu'on peut facilement les mathématiser. Ça veut dire qu'un corps, que ce soit une plume ou une charrue, qui tombe depuis 3 secondes, tombe à une vitesse 3 fois supérieure aux mêmes objets qui tombent depuis une seconde. Et puis ces mêmes objets qui tombent depuis n secondes vont tomber n fois plus vite que les mêmes objets qui tombent depuis une seconde. Donc c'est très simple, et la proportionnalité en question ne dépend pas de la masse du corps. D'accord ? Et vous voyez bien que ça c'est une loi, c'est la première loi de la physique moderne, c'est une loi qui contredit l'observation. Parce que du temps de Galilée, il est évident que les plumes qu'on laisse tomber d'une certaine hauteur tombent moins vite que les charrues ou les pierres. D'accord ? Donc Galilée, il n'a jamais vu ce phénomène. Et il énonce une loi qui contredit toutes les observations. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'il peut se convaincre qu'une loi qui contredit l'observation soit quand même la bonne loi ? Eh bien, il va inventer quelque chose qui s'appelle une expérience de pensée, c'est-à-dire une sorte de stratagème intellectuel par lequel le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. Ce que comprend Galilée, c'est que la physique, c'est pas la bureaucratie des apparences. Il suffit pas d'observer pour comprendre. C'est même pire.
L'observation nous trompe toujours. Il faut donc faire un pas de côté pour interroger le réel par des idées théoriques qui viendront le provoquer. Et ce que comprend Galilée, c'est que la thèse d'Aristote, qu'Aristote avait développée dans son traité du ciel, Aristote disait « un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif ». Cette loi a été enseignée pendant des siècles. Hein. Pourtant, et d'ailleurs un des personnages que met en scène Galilée dans ses livres, celui qui s'appelle Salviati dans le discours sur les deux sciences nouvelles, Salviati dit « c'est quand même bizarre ce que raconte Aristote. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une pierre tomber 1000 fois plus vite qu'une autre pierre ?» Bon, je vous rappelle qu'à l'époque, mesurer une vitesse de chute, c'est pas évident. La notion de vitesse instantanée, inconnu au bataillon, mais on voit bien qu'il n'y a pas des rapports énormes entre les vitesses de chute de deux pierres, de masses différentes. Cette loi de proportionnalité entre la vitesse et la masse, ça n'a pas l'air d'être des choses qu'on observe facilement. Mais à l'époque, on pratiquait ce qu'on appelle l'ipsédixitisme, qu'on a beaucoup pratiqué pendant le Covid. Ipsédixitisme, ipsédixit en latin, c'est ipsé le maître, dixit l'a dit. Le maître l'a dit. Donc, voilà. Le maître c'est Aristote, Aristote l'a dit, on ne discute plus. Le débat est clos. Dans une version dégradée, l'ipsédixitisme c'est je l'ai lu ou je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai. Et dans une version encore plus dégradée, c'est ce qu'on appelle l'effet gourou. Voilà. Et pendant le Covid, comme tout le monde disait n'importe quoi, chacun d'entre nous était obligé de choisir celui qu'il allait considérer comme un gourou. Et je ne vais évidemment pas donner d'exemple. Non mais c'est incroyable cette histoire. Hein. Moi j'en suis pas revenu. Bon, je ferme. Alors quelle est l'expérience de pensée que Galilée va inventer ? Moi, je la trouve admirable, même si elle est un peu sophistique. Elle n'est pas tout à fait rigoureuse, mais elle a eu la vertu de montrer que la loi d'Aristote, même sans faire d'expérience, pouvait être démontrée fausse. Quelle expérience de pensée à laquelle Galilée se réfère ? Il suppose qu'Aristote a raison. Une expérience de pensée, c'est qu'est-ce qui se passerait si ? Donc, je suppose qu'Aristote a raison. Un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif. Et je me demande qu'est-ce qui se passerait si, et là, j'invente quelque chose. Et l'expérience qu'invente Galilée, c'est je prends une grosse pierre, et à côté, je prends une pierre plus petite, moins massive. Si je la laisse tomber en même temps, Aristote, dont je suppose qu'il a raison, me dira que la grosse pierre tombe plus vite que la petite. Très bien. Mais en fait, l'expérience de pensée commence quand je relie la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Donc je fais un ensemble, un système qui est plus lourd que la grosse pierre. Je laisse tomber depuis une certaine hauteur, que dit Aristote ? Aristote dit, ça va tomber plus vite que la grosse pierre parce que c'est plus lourd. Oui, mais pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute. Donc freiner la grosse pierre. Donc, contradiction que personne n'avait jamais vue. La loi d'Aristote, dans la situation que je viens d'évoquer, prédit que ça va tomber plus vite et que ça va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Comment résoudre la contradiction ? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et là, les choses deviennent géniales. Comment une loi qui dit le contraire de ce qu'on observe, peut quand même expliquer ce qu'on observe. Eh bien en disant qu'il y a d'une part la gravitation, qui fait tomber toutes les pierres à la même vitesse, quelle que soit leur masse, mais si on les fait tomber ailleurs que dans le vide, elles vont subir d'autres forces que la gravitation, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui seront responsables des différences de vitesse que nous observons entre les corps les plus lourds et les corps les plus légers. Mais on a tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Bon.
Vous voyez, ce type de raisonnement, c'est la naissance de la physique moderne. Comme le disait Coiré, un philosophe des sciences, c'est le pari qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible. Par l'impossible, c'est-à-dire par des lois qui contredisent ce qu'on voit et dont l'énoncé, du coup, nous semble absurde. Repensez à toutes les lois que vous avez apprises au lycée, au collège, les lois physiques. Prenez-les au sérieux. Elles semblent absurdes. Par exemple, le principe d'inertie fondateur de la mécanique, énoncé lui aussi par Galilée, un corps qui n'est soumis à aucune force, a un mouvement rectiligne uniforme. Donc le gars vous dit que quand vous essayez de pédaler à vélo, il continue en ligne droite à vitesse constante. Voilà ce que dit Galilée. La force annule, le mouvement continue indéfiniment. Mais on n'a jamais vu de mouvement inertiel. Et pourtant, c'est un des principes fondamentaux de la physique qui a obligé à repenser notre interprétation des mouvements qui s'amortissent par l'invocation de l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, qu'on appelle le mouvement inertiel. Et donc, c'est le moment où le bon sens, qui se réfère à l'observation, n'est plus une arme pertinente pour critiquer la science. Voilà. Ensuite, il va y avoir un deuxième événement qui, lui, est purement contingent. Ça se passe en 1640, tout près de Florence, même à Florence. Donc à cette époque-là, Galilée est un homme vieillissant. Il est déjà aveugle. Hein. Il va mourir en 1642, donc 2 ans après. Il est aveugle, il est fatigué, il est assigné à résidence par l'Inquisition. Et tout près de Florence, dans un petit village. Et à Florence, il y a beaucoup de fontaines à eau dans la ville, puisque cette ville revendique le fait d'être la ville de la Renaissance. Et pour montrer qu'elle est la plus importante ville de la Renaissance, eh bien, il y a des fontaines à eau qui sont les plus spectaculaires possibles, obtenues grâce à des pompes à eau qu'utilisent les fontainiers de la ville. Ce sont les mêmes pompes que celles qu'utilisaient à l'époque les paysans pour évacuer l'eau des fossés qui étaient inondés dans les champs. Sauf qu'eux, ils vont pomper l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arno. Et donc, ils installent les pompes, certaines pompes en tout cas, sur les ponts qui surplombent le fleuve. Et ils remarquent que lorsque la hauteur entre la pompe et le niveau d'eau dans laquelle on pompe est supérieure à 18 coudées, c'est à peu près 10 mètres, eh bien, l'eau ne monte plus. Donc, ils pensent que c'est un problème technique. Ils convoquent des ingénieurs, des artisans, qui vont changer des pièces dans les pompes, changer le diamètre des tuyaux, etc. Mais chaque fois, ils tombent sur la même limite. On peut pomper jusqu'à 10 mètres, pas au-delà. Même si on tourne les roues des pompes avec une force plus grande, il semble qu'il y ait cette limite que eux interprètent comme un problème technique. En désespoir de cause, ne pouvant pas trouver la solution, ils écrivent une lettre à Galilée, que vous pouvez lire, une lettre assez précise, assez belle d'ailleurs, que Galilée ne lit pas puisqu'il est aveugle, mais il se la fait lire par son assistant de l'époque, qui s'appelle Evangelista Torricelli. Torricelli. Bon. Et Torricelli lit la lettre, et Galilée comprend tout de suite que le problème que rencontrent les fontainiers, c'est pas un problème technique, c'est un problème scientifique. C'est-à-dire que la limite sur laquelle ils butent, les 10 mètres, est la preuve que la nature n'a pas horreur du vide. Je vais vous expliquer comment, mais avant, il faut savoir qu'en 1630, Galilée avait eu une correspondance avec un de ses amis qui s'appelait Baliani. Et Baliani et Galilée parlait d'expérience de pensée. Et par exemple, Baliani racontait dans une de ses lettres que si on imaginait quelqu'un qui est au fond de la mer, en supposant qu'il a trouvé un moyen d'y respirer, si vous êtes au fond de la mer et que vous posez sur votre tête une amphore, vous ne sentez pas le poids de l'amphore.
C'est comme si elle était sans masse. Par contre, si vous la mettez sur votre tête quand vous êtes dans l'air, vous sentez une pression. Bon. Et je pense que cette idée, elle a dû percoler dans le cerveau de Galilée. Et il a commencé à théoriser l'idée qu'il y aurait ce qu'on appelait à l'époque une pesanteur de l'air, qu'on appelle aujourd'hui la pression atmosphérique. Et l'idée de Galilée, c'est que, en fait, quand vous aspirez du jus d'orange, c'est pas du tout l'horreur que la nature a pour le vide qui fait monter le jus d'orange. C'est qu'en fait, il y a une pression énorme, cette pesanteur de l'air qui appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre. C'est une force qui va de haut en bas, c'est une pression comme ça. Okay ? Mais si vous aspirez dans la paille et que vous diminuez la pression dans la paille, la force qui va appuyer sur le jus d'orange dans la paille va être plus petite que la force qui appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre. Et c'est cette différence qui va faire monter le jus d'orange. Autrement dit, c'est une pression qui va du haut en bas, qui fait monter le jus d'orange de bas en haut. Et cette pression, elle vaut combien ? Ben, si la limite est de 10 mètres, et sachant qu'un litre d'eau pèse 1 kg, facile de faire le calcul, cette pression, elle est énorme. Elle vaut 10 tonnes par mètre carré. 10 tonnes par mètre carré. Par exemple, sur cette table qui fait un peu moins d'un mètre carré, il y a une force qui appuie qui est l'équivalent d'un peu moins de 10 tonnes. C'est étonnant qu'elle ne casse pas d'ailleurs. Alors pourquoi elle ne casse pas ? C'est qu'il y a la même pression en dessous. D'accord ? Donc la table, elle est soumise à la pression atmosphérique qui s'exerce dans toutes les directions. Il y a 10 tonnes par mètre carré ici et il y a 10 tonnes par mètre carré en dessous. Alors, pareil, notre corps. Notre corps, il subit cette pression énorme, 10 tonnes par mètre carré. Et si vous montez en altitude, elle devient plus faible. Et c'est pourquoi les alpinistes, au sommet de l'Everest ou d'un sommet de 8 mètres, ont des têtes sphériques, parce que la pression interne est plus grande que la pression externe. Bon, et donc, comment vérifier que cette idée de Galilée est la bonne ? Bah, Torricelli, après la mort de Galilée, va avoir une idée géniale. Il dit, bah, faire des tubes de 10 mètres avec de l'eau, c'est pas évident. Et donc, je vais prendre le liquide le plus dense connu à l'époque, qui s'appelait le vif argent, l'ancien nom pour le mercure. La densité du mercure, c'est 13,6. Ça veut dire qu'un litre de mercure pèse 13,6 kilos. Donc, il prend une bassine qui est remplie de mercure. Il prend un tube de quelques centimètres de diamètre, d'un mètre de long à peu près, il le met verticalement, il bouche l'extrémité basse du tube avec un bouchon, il remplit le tube sur toute sa hauteur de mercure, il bouche l'extrémité du haut. Une fois que le tube est bouché des deux côtés, avec sa main, il met la pointe du bas dans le liquide. Et une fois que cette pointe est immergée, il enlève le bouchon. Avec ses mains nues. Hein. Donc, question hygiène et sécurité. Il est mort à 39 ans. Bon, mais pas de ça. Et évidemment, le mercure qui occupait toute la longueur du tube va commencer à descendre. Et il va s'arrêter. À une certaine hauteur, au-dessus du niveau de mercure. Et Torricelli, évidemment, va mesurer cette hauteur et il va trouver 76 cm. Et il va pousser un cri de joie. Alors pourquoi ? Pourquoi il est tout content ? Bah, tout simplement parce que 10 mètres divisé par 13,6, ça fait 76 cm. Ça veut dire que cette pression atmosphérique, elle peut faire monter de l'eau jusqu'à 10 mètres et pas au-delà. Et cette même pression peut faire monter de 76 cm un liquide qui est 13,6 fois plus dense que l'eau. Au passage, Torricelli invente le baromètre. Parce que s'il y a une variation de la pression, il y aura une variation de la hauteur de la colonne de mercure dans le tube. Donc, il aurait pu prendre de l'eau, hein, mais trimballer
des baromètres de 10 mètres de haut, c'est pas... Alors, évidemment, il ne va pas publier parce que l'Inquisition veille et Torricelli est bien blasé pour savoir que si on contrevient aux thèses de l'Inquisition, on a des ennuis. Or, l'Inquisition refusait l'existence du vide, non pas avec les arguments de Francis Bacon, mais avec l'idée que Dieu n'a rien fait qui soit inutile. Donc s'il y avait du vide, bah, ça ne sert à rien, et Dieu est... De toute façon, Dieu est partout, donc il n'y a pas d'espace vide. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à une très belle correspondance entre Blaise Pascal, qui habitait à Paris à l'époque, entre Paris et Rouen, Blaise Pascal et le Père Noël. Alors le Père Noël dont je parle, c'est pas le Père Noël des sapins, hein, c'est le révérend Père Noël, qui était le directeur de la Compagnie de Jésus, donc un jésuite. Dans les œuvres complètes de Pascal, de Blaise Pascal, vous avez lettre de Blaise Pascal au Père Noël du 5 novembre. C'est assez drôle. Hein. Et le Père Noël, il avait écrit un livre intitulé « De la plénitude du vide ». Pour montrer que le vide ne peut pas être plein, ne peut pas être vide. Le vide n'existe pas, il est forcément colonisé par la matière. Et Blaise Pascal lui répond à plusieurs reprises, et d'ailleurs développe dans ses réponses des arguments incroyables qu'on attribue à Karl Popper, que j'ai cité tout à l'heure, à savoir qu'il y a des expériences cruciales qui me permettent de trancher des débats philosophiques. Et donc... Blaise Pascal, un peu fatigué, dit au Père Noël « C'est pas la peine de discuter, les arguties, c'est pas des preuves. Il va falloir faire des expériences. » Et il conclut sa dernière lettre en disant « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière. » Phrase géniale. Le vide, c'est pas le néant, et c'est pas non plus la matière. Il est entre les deux. De même que l'homme est entre les deux infinis. Et on verra tout à l'heure, dans 5 minutes, que c'est une parfaite définition du vide quantique. Torricelli, ne pouvant pas publier, en fait, il va faire des démonstrations de son expérience dans différentes villes d'Italie, notamment à Rome. Et il fait l'expérience devant plusieurs personnalités, notamment une personne qui vient de Paris, qui s'appelle... L'abbé Mersenne, qui avait fondé une académie à Paris, qui était un prêtre, et il est complètement enthousiasmé par ce qu'il vient de voir. Ça se passe au mois de décembre 1646, et il rentre à Paris en janvier 1647, et évidemment, on parle à tout le monde. Alors, tout le monde, ça veut dire, tenez-vous bien, Blaise Pascal, René Descartes, Robert Val, Cassandy et quelques autres. Du beau linge. Et ça va engendrer pendant très peu d'années, 2 ou 3, ce qu'on a appelé la querelle du vide. La querelle du vide, c'était la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les 24 cm du tube qui était occupé par le mercure avant qu'il soit plongé dans le bain de mercure et qui ont été libérés par la descente de la colonne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que c'est une matière raréfiée? Bon. Descartes ne croit pas au vide, donc dit que c'est des vapeurs subtiles, etc. Et celui qui va, en fait, résoudre le problème, il a 23 ans à l'époque, c'est Blaise Pascal, comprend que s'il y a une pesanteur de l'air, comme on dit à l'époque, elle doit être plus faible en altitude. Le poids de l'air doit être maximal quand la hauteur de l'atmosphère, si tant est qu'elle soit finie, est maximale. Et donc, il a l'idée de faire une expérience sur une montagne. Alors à Paris, les montagnes, à Rouen, les montagnes, bon. Et c'est là qu'il est utile d'avoir des beaux-frères. Hein. Il a un beau-frère qui s'appelle Florin Perrier, qui est donc le mari de sa sœur, et qui habite à Clermont-Ferrand. Et donc, au mois de... Je ne suis plus très sûr des dates, mais... Bref, en 1647,
Il écrit à son beau-frère une lettre absolument incroyable dans laquelle il lui explique ce qu'il va devoir faire pour démontrer que la nature n'a pas horreur du vide. Donc l'idée est la suivante, il lui demande de prendre un tube de Torricelli, donc la fameuse bassine avec du mercure et le tube, et de le laisser au pied du Puy-de-Dôme, et de le laisser entouré par des gens qui ont des opinions diverses, des aristotéliciens, des clercs, des laïcs, etc., qui vont pendant toute la journée surveiller le niveau de la colonne de mercure pour voir d'éventuelles petites variations, et si c'est le cas, de les noter. Et puis le même jour, lui, avec un autre tube de Torricelli, va escalader le Puy-de-Dôme, accompagné d'un nombre de personnes, là encore, ayant des croyances, des convictions, des appartenances intellectuelles différentes, et à différents niveaux d'altitude, de mesurer comment a varié la hauteur de la colonne. Quelques mois plus tard, Florent Perrier fait l'expérience. Je crois qu'il a eu du mal à recueillir des quantités de mercure suffisantes, puis à monter ses équipes, hein, puis à trouver le financement, ce n'est pas évident. Il fait l'expérience et écrit une lettre à Blaise Pascal dans laquelle il fait le compte-rendu de ses observations. Et évidemment, au sommet, la hauteur de la colonne est moins haute et plus basse, ce qui prouve que la pression atmosphérique au sommet du Puy-de-Dôme est plus basse qu'à la base. Donc il invente l'altimètre. Il invente l'altimètre, et à partir de ce moment-là, la querelle du vide est close. Le vide peut exister, et ce qu'on a cru ou interprété comme étant l'horreur que la nature a pour le vide est simplement lié au fait que la pression atmosphérique est tellement forte que c'est très dur de faire le vide. Parce que dès que vous faites le vide dans une enceinte, le moindre orifice va permettre à l'air extérieur de coloniser cet espace et le vide ne pourra pas apparaître. D'accord ? Donc la pression est tellement forte qu'il est difficile de faire le vide. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que dans toute la correspondance entre Blaise Pascal et le Père Noël, Pascal prend soin d'expliquer qu'il ne faut pas confondre le néant et le vide. Mais comme vous le savez un peu plus tard, il va, à l'âge de 38 ans, juste avant sa mort, il va écrire les pensées. Et ce qui est incroyable, c'est que dans les pensées, dans le chapitre qu'il consacre au divertissement, il emploie tantôt le mot vide, tantôt le mot néant, comme si c'était synonyme. En expliquant que l'homme, ben, nous avons horreur du vide, et cette horreur que nous avons pour le vide fait que nous sommes constamment en train de nous divertir. Et c'est assez étonnant quand même que ce soit le même esprit qui ait établi une sorte d'équivalence entre le divertissement et la pression atmosphérique. C'est-à-dire que le divertissement est à nos existences l'équivalent de ce qu'est la pression atmosphérique pour la nature. C'est-à-dire, les deux rendent difficile l'apparition du vide. Le divertissement, parce que du coup, on échappe à l'idée du vide en se divertissant, et la pression atmosphérique en rendant difficile l'apparition du vide dans la nature. Bon, je ne sais pas si dans sa tête, ça, les deux choses se sont associées, mais je trouve que c'est intéressant à signaler. Bon, je passe sur Descartes et toutes les objections qu'il a pu faire, parce que ça, c'est passionnant, mais ça nous mènerait trop loin. Mais le point important, c'est qu'à partir de ce moment-là, la question du vide n'est plus une question philosophique. C'est une question scientifique. Et le statut qu'on va accorder au vide va dépendre de la théorie physique qu'on prend comme référence. Une théorie physique vous dit ce qui existe, et elle vous dit ce qui, dans ce qui existe, peut être retiré ou pas. Ce qui change la définition du vide dans les dictionnaires. Avant, la définition du vide, c'est le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mais ça ne va pas. Parce que si vous enlevez tout, ce qui reste, c'est le néant. Or, le vide, c'est pas le néant. Et donc, la définition du vide devient... Le vide,
c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et là, ça devient intéressant, puisque cette définition va donner un résultat qui va dépendre de la théorie que vous prenez comme référence. Avant d'en parler, je vérifie quand même. Oui, il faut quand même. J'arrête bientôt. Blaise Pascal, il a commencé d'écrire un traité du vide qu'il n'a pas achevé. Il est mort trop tôt, mais on a retrouvé des pages importantes. Et il y a une page absolument géniale dans laquelle Blaise Pascal explique ce qui se passe quand un nourrisson tète le sein de sa nourrice ou de sa mère. Et il dit, dans le langage ordinaire, on dit que le nourrisson aspire le lait maternel. Mais il dit non, il aspire rien du tout. Ce n'était pas une aspiration, on n'aspire pas le lait. C'est comme pour le jus d'orange. Le nourrisson, il va, par suction, il va diminuer la pression atmosphérique dans sa bouche. Plutôt, la pression dans sa bouche sera différente de la pression de l'air extérieur. Et cette différence de pression, comme pour le jus d'orange avec sa paille, va faire que la pression atmosphérique sur le sein va être plus grande que la pression atmosphérique dans la bouche. Et donc le sein va être pressé par la pression, ce qui va faire sortir le lait. Mais le nourrisson n'aspire rien du tout. Le lait, il est simplement éjecté. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne vous intéresse pas, moi je trouve ça marrant. Et la conclusion de Blaise Pascal, c'est qu'on ne peut pas nourrir un nourrisson en haute altitude. Ce qui est vrai. La limite, c'est 4000 mètres. À 5000, ça ne sort plus. Bon. Je dis ça pour ceux qui voudraient élever des enfants au Pérou. Hein. Bon, faites ce que vous voulez. Bon, alors après, il y a la physique de Newton. C'est quoi le vide pour Newton? D'après la théorie de Newton, il y a trois choses qui existent. L'espace, le temps, les corps matériels. Qu'est-ce qu'on appelle le vide? On retire tout ce qu'on peut retirer, à savoir les corps matériels. Et il reste l'espace avec rien à l'intérieur et le temps. Donc le vide newtonien, c'est ça. Bon, c'est évidemment un vide qui n'existe pas. Par exemple, il y a du rayonnement cosmologique, le fond diffus cosmologique qui est partout présent dans l'espace. Et puis on va parler de physique quantique dans un instant. Mais il y a une remarque intéressante de Descartes à l'époque qui dit « Notre conception du vide, notre définition du vide est toujours finalisée. » Par exemple, vous prenez une cruche. Une cruche, c'est censé contenir de l'eau, du vin ou du lait. Mais si elle ne contient aucun de ces liquides, vous direz qu'elle est vide. Mais non, elle n'est pas vide, elle contient de l'air. Alors vous pouvez retirer l'air. Mais une fois que vous avez retiré l'air, il y a du rayonnement électromagnétique qui est présent dans la cruche par le fait que les parois de la cruche ne sont pas à une température égale au zéro absolu. Donc les parois rayonnent de la lumière électromagnétique. Donc. Et donc même si vous avez retiré l'air, il reste du rayonnement. Alors vous pouvez supprimer ce rayonnement en mettant les parois à une température égale au zéro absolu. Bon. Mais là, il va vous rester la cruche. Alors vous retirez la cruche. Là, il va vous rester un volume d'espace. Est-ce que vous retirez l'espace? Autrement dit, où est-ce que vous devez arrêter le travail d'exfiltration pour pouvoir dire que vous avez atteint le vide? La seule chose qui puisse vous le dire, c'est une théorie physique. Mais par simplement la pensée, vous ne savez pas où vous devez vous arrêter le travail d'évidement que vous devez réaliser pour fabriquer du vide. Alors, je passe vite, mais au 19e siècle, cet espace vide de Newton va se remplir. Les gens comprennent que la lumière, c'est un phénomène ondulatoire, comme le son. Et donc ils imaginent que, comme pour le son, la lumière a besoin, pour se propager, d'un certain support qui la porte. Et ce support, on va l'appeler l'éther luminifère. L'éther qui porte la lumière. Donc on imagine que partout dans l'espace, il y a un éther qui est vraiment là, dans tous les recoins de l'espace, et dont la seule fonction physique est de vibrer au passage de la lumière.
Donc le vide est plein, parce que cet éther, on ne peut pas le retirer. Donc ce qu'on appelle le vide, c'est l'espace, le temps, l'éther. Bon. Comme vous le savez sans doute, en 1905, Einstein proclame la mort de l'éther. Il dit, l'éther n'existe pas. Donc, bah, le vide redevient le vide newtonien. Et la lumière est capable de se propager toute seule comme une onde dans le vide, sans avoir besoin d'être portée par cet éther luminifère. La lumière devient une véritable entité physique, et non pas seulement un mode de vibration de l'éther. Bon. Après, il y a la relativité générale. Bon, je ne vais pas en parler, sauf dans les questions. Mais le point important, c'est la physique quantique. Voilà. Physique quantique qui s'élabore dans les années 20, qui décrit, comme vous le savez, les interactions entre particules, le comportement des atomes, etc. Et la question intéressante, c'est de voir qu'est-ce que c'est que le vide en physique quantique. Ben, vous regardez les équations, équations de Schrödinger ou de Dirac, selon le cadre dans lequel vous êtes, et vous imaginez que vous extrayez de l'espace toutes les particules présentes pour faire le vide. Donc vous allez sortir les électrons, les neutrinos, les quarks, les protons, les neutrons, les photons, tout ce que vous connaissez, vous l'extrayez. Et là, il se passe un truc bizarre, c'est que les équations vous disent que lorsque vous avez retiré les particules, l'espace contient encore quelque chose. Et ce « encore quelque chose », c'est ce qu'on appelle les fonctions d'onde, ou les vecteurs d'état associés aux particules, qui correspondent aux mêmes particules dans un état qu'on appelle virtuel. C'est-à-dire, c'est l'état de plus basse énergie pour les particules, et c'est un état dans lequel elles sont présentes, sans être tout à fait réelles. C'est pour ça que, des sortes de fantômes, si vous voulez, c'est pour ça qu'on parle de particules virtuelles, ça veut dire qu'en fait, leur énergie individuelle, est inférieure à mc au carré. M étant leur masse, c étant la vitesse de la lumière, et vous avez reconnu là la formule d'Einstein. Donc ça veut dire que les particules ont moins d'énergie que leur énergie de masse. Donc elles sont fatiguées, quoi. Elles sont un peu flappy. Elles sont un peu comme des belles au bois dormant. Et il n'y a qu'une seule façon de les réveiller, c'est de leur donner l'énergie qui leur manque pour qu'elles puissent avoir une véritable incarnation. Et cette énergie, on peut leur donner grâce à des collisions de particules, collisions de protons comme au CERN avec le LHC. Donc on fait des collisions à haute énergie dans le vide quantique. Et pendant un petit temps très court, une durée très courte, et dans un volume très petit, on va mettre une densité d'énergie qui est égale à celle qui régnait dans l'univers quelques temps après le Big Bang. Comme les lois physiques n'ont pas changé depuis cette époque, dès lors qu'on reproduit les conditions physiques de l'univers primordial, on va faire réapparaître les phénomènes qui se déroulaient à cette époque. Et donc les collisions de particules qui réchauffent le vide quantique, ce n'est pas des machines à remonter dans le temps, c'est simplement des instruments qui permettent à l'univers de vivre une cure de jouvence. C'est-à-dire de revivre des phénomènes physiques qui n'avaient plus vécu depuis 13,7 milliards d'années, parce que la température devenant de plus en plus basse du fait de l'expansion, il n'y a plus l'énergie suffisante pour les faire advenir. Bon, c'est comme ça qu'en 2012, on a pu détecter le boson de Higgs, etc. Donc le vide quantique, c'est... je ne sais pas si vous avez vu les tableaux que Picasso a peints entre le mois de décembre 1945 et le mois de mars 1946. En fait, il a peint 12 tableaux qui représentent la même chose, en l'occurrence un taureau. Un taureau, alors le premier tableau, c'est un vrai taureau, c'est presque une peinture réaliste. On voit un gros taureau massif, suant, très charnu. Puis le deuxième tableau, peint une semaine plus tard, montre un taureau un peu plus épuré, avec des formes un peu plus géométriques, moins gras. Et puis le troisième, encore moins gras. Et peu à peu, le taureau se trouve débarrassé de sa graisse ontologique. Et dans le dernier tableau, on ne voit plus qu'une douzaine de traits curvilignes.
C'est donc un dessin plus qu'une peinture. Et on reconnaît que c'est un taureau. On reconnaît encore que c'est un taureau. Mais si par la pensée, on supprime l'un quelconque des 12 traits qui sont représentés, on ne voit plus que c'est un taureau. Et donc, Picasso, là, il a peint le minimum qu'il faut dessiner pour pouvoir dire qu'on a affaire à un taureau. Donc il a peint ce qu'on appellerait en physique le vide quantique du taureau. D'accord ? C'est-à-dire que le vide quantique, c'est toute la matière qui existe, mais dans un état d'énergie qui est le plus bas possible. Tout est là, mais seulement de façon virtuelle, parce que tout est là, sauf l'énergie qui permet à ces particules virtuelles d'exister vraiment. Quoi. Et donc ça donne, vous voyez la phrase de Blaise Pascal de tout à l'heure, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Si vous remplacez le mot vide par le mot vide quantique, ça colle pile poil. Hein. Alors, pour finir, la relativité générale, théorie d'Einstein de 1915, qui décrit la gravitation, elle a un vide complètement différent. D'accord ? Comme vous savez, la gravitation pour Einstein, ce n'est pas une force qui s'exerce dans l'espace, c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Donc faire le vide, ça veut dire retirer la matière et l'énergie qui sont dans l'espace. Du coup, la courbure de l'espace-temps devient nulle. Et la question est de savoir si, en retirant la matière, on retire l'espace-temps qui va avec. Est-ce qu'il y a une adhérence de la matière à l'espace-temps ou pas ? Il y a des grandes controverses là-dessus. Il y en a eu entre Stephen Hawking et Penrose. Je vous laisse regarder tout ça. Le point important, c'est que le vide de la relativité générale n'a rien à voir avec le vide quantique. Or aujourd'hui, la physique, elle s'appuie sur deux piliers. La physique quantique, d'une part, qui décrit les interactions nucléaires, les interactions électromagnétiques, et puis la gravitation qui est décrite par la relativité générale. La chance, ou plutôt le malheur, c'est que quand la gravitation s'impose, on peut négliger les forces quantiques, et quand les forces quantiques dominent, on peut négliger la gravitation. Donc on ne voit pas de zone dans lesquelles ces deux théories contradictoires entrent en conflit. Sauf dans l'univers primordial, mais on n'y a pas accès. Donc la question reste ouverte. Mais ce qui est bizarre, c'est que on vit avec deux vides différents en physique. Il y a le vide quantique et le vide de la relativité générale, qu'on appelle tous les deux le vide. Mais ça ne va pas, il ne peut pas y avoir deux vides. Il ne peut pas y avoir deux vides dans la nature, parce qu'ici on a deux, ça veut dire que l'un contient l'autre. Et s'il contient l'autre, c'est qu'il n'est pas vide. Voilà. Et donc ma conclusion, ça sera de vous inviter à relire un texte écrit en 1700 par Lavoisier, avant qu'on lui coupe la tête. Je propose qu'on arrête de couper la tête des savants, moi. Ça commence à bien faire. Regardez ce que Lavoisier écrit dans son livre Traité élémentaire de chimie, c'est dans l'introduction, il écrit ça en 1789. Il dit « On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage. Et quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. » Tandis ce qu'il dit, c'est que les progrès de la science devraient induire des progrès dans nos façons de dire, dans notre langage. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on donne un nom différent selon qu'on désigne le vide quantique ou le vide de la relativité générale. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir été clair, mais j'en suis pas sûr. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Pour trouver une définition courte et amusante du vide, j'aime bien celle que vous mettez dans l'épilogue de votre livre. Le vide est un cabinet de curiosité, vous nous l'avez prouvé jusqu'à
jusqu'à maintenant, je crois. Donc, je salue les 1200 spectateurs qui sont en direct avec nous sur Internet. Je vous propose, si vous en avez envie, de poser des questions à Étienne Klein. Vous nous faites signe et on vous donne le micro tout de suite. Je suppose qu'André a déjà préparé sa question. André, oui, bien sûr. Donc, si vous voulez donner le micro à André, ici. Elles ne vous connaissent pas parce que vous êtes... Elles sont nouvelles. C'est Christelle. Christelle ? Ici, il est là. Il est là. Levez bien. Voilà. André, c'est le monsieur qui a une chemise bleue, là. Non, à droite. Voilà. Il va falloir se présenter avant d'arriver, André. André est un de nos spectateurs habituels. Il a déjà posé des questions. Je le reconnais. Voilà. Donc, André, la question. Oui. Mais c'est-à-dire que le vide... vous distinguez le vide quantique et le vide interplanétaire, intersidéral, inter-amas, etc., etc. A-t-on fait l'inventaire des particules virtuelles ou même des particules qu'on peut trouver dans le vide interstellaire, inter-amas, inter-super-amas, etc., dans le vide le plus complet qu'on imagine de l'univers? Qu'y a-t-il quand même, s'il y a quelque chose? Et ce petit quelque chose est peut-être lié à la masse manquante. Si on trouve quelque chose. Merci André, merci. Non, mais dans ce qu'on appelle le vide interstellaire, il y a plein de choses. Il y a d'abord l'espace, qui est courbé. Il est courbé par la matière ou l'énergie qu'il y a autour. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le fond diffucosmologique, qui est du rayonnement fossile, qui a été libéré 380 000 ans après le Big Bang, quand la densité de matière est devenue... telle que les atomes ont pu se former, où la température dans l'univers est devenue telle, 4000 degrés, telle que les atomes ont pu se former, et les atomes ils peuvent être traversés par la lumière, contrairement aux particules chargées. Et donc à ce moment-là, tout d'un coup, la lumière a été libre de se propager dans l'espace. Et cette lumière primordiale, évidemment, elle s'est refroidie à mesure que l'expansion s'est développée. Et aujourd'hui, elle existe sous la forme d'un rayonnement fossile qui est partout présent. Donc on ne peut pas l'extraire, ce rayonnement. Et donc, le vide dont on parle, il contient au moins ceci. Sans compter toutes les particules de rayonnement cosmique qui traversent l'espace. Et après, la question est de savoir, c'est est-ce que vous décrivez l'espace en entremêlant la relativité générale et la physique quantique? Autrement dit, est-ce que le vide dont vous parlez là, c'est le vide quantique ou c'est le vide de la relativité générale dans lequel il y aurait une courbure? Et puis les fameux rayonnements dont je viens de parler. En fait, on n'a pas de théorie unificatrice qui permettrait de dire exactement ce qu'est le vide quand on mélange la relativité générale et la mécanique quantique. Alors, je vais prendre une question Internet. Finalement, a-t-on vraiment besoin du mot vide? Si on le supprimait, y aurait-il un manque? Ça créerait un vide quand même. Y a une question dans la salle? Oui, il y en a plusieurs même. Donc, il faut que vous vous avanciez. Hein, vraiment, avancez un petit peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et il faut donner... Voilà. Alors, attendez. Allez-y, mademoiselle. Et on vous donne le micro après. Alors, vous avez dit qu'on pouvait créer le vide à travers les expériences que vous avez dit. Mais est-ce qu'on peut créer le vide quantique? Mais en fait, le vide quantique, il est partout présent. Et on peut même faire des expériences dedans. Dans le livre, je parle d'une expérience qui s'appelle l'effet Casimir. L'effet Casimir, c'est une expérience qui donne directement accès à certaines propriétés du vide quantique. On met deux lames métalliques dans le vide quantique et on observe qu'elles s'attirent. Et cette force d'attraction, qu'on appelle la force de Casimir, on peut la calculer grâce aux équations de la mécanique quantique et les mesures qui ont été faites correspondent aux calculs. Et même quand on réchauffe le vide quantique, comme je l'ai dit dans... les expériences du LHC, on fait une expérience directe sur le vide quantique. Donc oui, c'est pas une fiction. Et si vous voulez en savoir plus sur la physique quantique aussi, j'en profite pour dire que Julien Bobrov revient la saison prochaine au mois de novembre. Voilà. Qui a le micro? Allez-y, je vous en prie. Les calculs d'énergie du vide par la mécanique quantique montrent une différence phénoménale entre ceux de la relativité d'Einstein. Et quelles sont aujourd'hui les pistes d'explication? Existerait-il plusieurs vides, comme vous l'avez énoncé, par changement d'échelle ou simplement une variance d'un vide unique?
Ben oui, c'est tout le problème que j'évoquais en d'autres mots, mais ça revient à ça. C'est-à-dire que le fait de dire que la densité d'énergie du vide quantique est très différente des valeurs cosmologiques qu'on peut mesurer, c'est une façon de dire qu'il y a vraiment une différence fondamentale de statut entre la physique quantique et puis la relativité générale. Par exemple, en relativité générale, on ne peut pas vraiment définir de niveau zéro. La notion d'échelle devient en quelque sorte relative et arbitraire. Et donc, le vide, c'est une façon, la différence des vides et la différence dans leurs propriétés dans les deux cadres théoriques dont on parle, c'est une façon de montrer leur incompatibilité. Alors, les pistes théoriques, il y en a évidemment beaucoup pour essayer de les unifier. La théorie des cordes, qui a longtemps été présentée comme une théorie du tout et pour laquelle aujourd'hui les réticences sont plus grandes pour toutes sortes de raisons. Il y a la gravité quantique à boucle, il y a d'autres schémas comme cela. Mais pour l'instant, ce sont des conjectures. Et ce qui va être très difficile, c'est de trouver des situations expérimentales dans lesquelles on pourrait réaliser des conditions permettant de départager ces différents cadres théoriques. Parce qu'à basse énergie, la théorie des cordes et les autres théories dont j'ai parlé donnent les mêmes prédictions. Leur différence ne se montre qu'à des niveaux d'énergie auxquels on n'a pas accès expérimentalement. Donc on a les pistes théoriques dont j'ai parlé, mais il y a aussi des projets d'accélérateurs. La suite de LHC est déjà dessinée. Hein. Il s'agit de faire un accélérateur de 100 km de circonférence, dont le LHC serait un injecteur qui passerait sous le lac Léman, là, dans le Jura, qui va coûter assez cher. Et la question est-ce qu'au XXIe siècle, on aura encore une libido pour ce genre de sujet ? C'est une question importante. Autant la physique des particules, avec les gros moyens qu'elle exige, a été promue, financée, encouragée pendant les années où moi j'ai travaillé. Quand j'étais jeune, c'était vraiment l'équivalent des Jeux Olympiques. Hein. Autant aujourd'hui, on sent que les sujets qui nous préoccupent, c'est plutôt l'environnement que la nature. Alors, il y a une question là-haut, Mathéo. C'est Swan, alors. C'est le petit Swan qui va poser une question. Quel âge tu as, Swan ? 6 ans. 6 ans. Alors, vas-y, pose ta question. Pourquoi êtes-vous scientifique ? Ben voilà. Merci, Swan. Ben, je répondrai pourquoi pas. Non, sérieusement. Je suis pas scientifique 24 heures sur 24. Hein, je m'intéresse à beaucoup de choses et je suis scientifique parce que... mais j'en avais pas conscience quand j'étais plus jeune. Mais parce que je pense que la science, enfin les sciences... nous disent des choses, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, qui contredisent ce que nous pensons. Et donc, je pense que la physique, par exemple, ça permet de penser autrement. Voilà, ça permet de penser contre son cerveau. Voilà. Bon, je ne sais pas si la réponse va revenir à Swan. Non, mais si, plus tard. Enfin, il faut qu'il entende ce que je dis, qu'on comprendra plus tard. Écoute, mais, Swan. Voilà, faire de la physique, c'est vraiment penser parce que l'activité de penser ne se déclenche que quand on pense contre son cerveau. Autrement dit, penser, c'est dire non à sa pensée. Une pensée qui est constamment soumise à des biais de confirmation, ça devient une croyance. Et la physique, elle est pleine d'arguments qui viennent provoquer votre pensée et du coup l'oblige à penser pour se défendre ou pour évoluer. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a des très belles idées. J'ai essayé d'en partager quelques-unes. Je crois que j'ai lu dans une interview que dans votre famille... Votre père était ingénieur, non ? Oui. Et que dans votre famille, on vous incitait, non, à être curieux ? Mon père, il nous posait des charades, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est... Oui, nous, des devinettes, des devinettes. Ah oui, ben, des devinettes, ça peut être le début. Allez-y, je vous en prie, bonsoir. Oui, merci. Mes souvenirs de physique datent du lycée, donc ma question sera peut-être un peu naïve. J'ai appris au lycée que les atomes étaient faits de vide, du vide entre les électrons et le noyau, et entre les particules du noyau.
Et je voulais savoir si le vide quantique que vous avez défini, qui grouille d'énergie, qui ne demande qu'à révéler, est exactement de même nature au sein des atomes et en dehors des atomes. Oui, oui, le vide qui est dans les atomes, c'est le vide quantique, hein, évidemment. Et ce qui est fascinant, c'est que l'atome qui existe, c'est-à-dire celui qu'on a découvert en 1906 grâce aux travaux de Jean Perrin, suite au calcul d'Einstein de 1905, l'atome qui existe, dans un premier temps, on a pensé que c'était l'atome des Grecs. C'est pour ça qu'on l'a appelé atome, d'ailleurs. Donc on a pensé, comme Démocrite, que l'atome était insécable, qu'il était plein compact, etc. Ça a duré pendant à peine 2 ans. Très vite, on s'est rendu compte, grâce aux expériences de Rutherford, que l'atome n'est pas compact, il est plein de vide. Il y a le noyau, le proton pour l'hydrogène, le noyau, et puis des électrons qui tournent autour, et entre eux, il y a le vide. Et puis on s'est rendu compte que, finalement, l'atome qui existe n'a aucune des propriétés que les Grecs avaient imaginées. Et ça, c'est intéressant, parce que ça montre d'une part que l'atome tel qu'il est n'avait été préalablement pensé par personne. Ça montre aussi que l'atome des Grecs est un objet qui n'existe pas, même s'il a le même nom que l'atome qui existe. Et on pourrait se dire, mais finalement, les Grecs se sont trompés. Mais non, il ne faut pas dire ça. D'abord, c'était des génies. Hein. Démocrite, etc. C'est des gens incroyables. Donc, la morale de l'histoire, c'est que les objets qui n'existent pas, n'existent pas pour rien. Autrement dit, c'est parce qu'ils ont pensé l'atome qui n'existe pas, que s'est enclenché un débat qui a duré 2500 ans, au bout duquel on a découvert l'atome qui existe, mais sans ce débat, on ne l'aurait pas trouvé. Donc l'atome qui n'existe pas, celui pensé par les Grecs, a fécondé un cheminement de pensée qui a permis de trouver un objet qui n'avait été pensé préalablement par personne. Ça, je trouve que c'est une belle histoire. Il y a une question. Qui est-ce qui a le micro? Oui, alors, la personne qui a le micro d'abord, et on vient vers vous après. Bonsoir. Où êtes-vous? Vous nous faites signe? Là. Merci. Merci pour votre conférence. À un moment, vous avez dit que la question du vide n'était plus une question philosophique, mais qu'elle était devenue une question scientifique. Et quelle distinction vous faites entre des questionnements qui seraient de l'ordre de la philosophie et d'autres de l'ordre de la science? Ce que je voulais dire, c'est que le débat entre, par exemple, Blaise Pascal et le Père Noël, il a été tranché par une expérience. Donc il y a des arguments du Père Noël qui ne valent plus. Autrement dit, tant qu'on peut parler librement, on peut raisonner, faire des conjectures, poser des postulats éternellement, et il n'y a aucun moyen de les départager. Et à partir du moment où on fait une expérience comme celle que j'ai évoquée, qui montre des choses qui font que certains discours deviennent caduques, ça devient quelque chose que la science peut saisir par l'expérimentation, et ça permet ensuite d'éclairer les discours philosophiques qu'on peut tenir sur le vide. Autrement dit, on ne peut plus parler du vide comme en parlait Roger Bacon, par exemple. Alors, pendant qu'on apporte le micro, je crois que quelqu'un là... Oh, allez-y, monsieur, allez-y. Oui, vos exemples sur le jus d'orange et la cruche m'a fait beaucoup penser à la cavitation, qui naïvement, je pensais que c'était du vide jusqu'à regarder la définition Wikipédia à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la cavitation? Non. Okay. Très bien. Merci. Bon, monsieur. Alors, donc moi, ma question, c'est, je sais qu'Étienne Klein a beaucoup travaillé sur le temps. C'est ma question, si on enlève toute la matière dans l'espace, est-ce que le temps s'écoule? Mais dans quel... Justement, c'est intéressant. Si on enlève tout... Ça renvoie à la question de monsieur. C'est-à-dire, moi, c'est comme le temps. Moi, je ne peux plus en parler dans le vide, si j'ose dire. C'est-à-dire, moi, je peux parler du temps dans un cadre de base qui permet de lui donner un statut. Donc, le temps en mécanique newtonienne, il continue à passer même si on retire la matière. Comme j'ai dit tout à l'heure, on tire tous les objets matériels, il reste l'espace et le temps comme d'hab. L'espace et le temps sont complètement indépendants de la matière. Par contre, si vous prenez la relativité générale, là, il y a une intrication, une sorte d'adhésion entre la matière et l'espace-temps. Donc, si vous retirez les objets matériels, l'énergie, les équations laissent penser qu'il y a une sorte d'adhérence entre la matière et l'espace-temps. Donc, si vous retirez la matière, il y a tout qui vient avec.
et il reste le néant. Mais si vous mettez une constante cosmologique, ça change un peu la donne. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, la réponse à votre question, elle dépend du cadre théorique que vous avez choisi comme point de départ pour réfléchir. Dans l'absolu, comme ça, en l'air, toutes les réponses sont possibles. Alors, il y a une question ici, une question là-bas, et je vais prendre une question Internet. Pouvez-vous préciser la notion de mesure en physique quantique ? Qu'appelle-t-on une mesure ? Comme le vide, il me semble que ce terme n'a pas le même sens dans le langage courant. Oui, mais là, c'est pas le sujet. Hein. Ben non, et c'est long, et ça risque d'être long. On va peut-être pas répondre ce soir. Mais il y a plein de questions, plein. Une autre, alors. Bon, allez, dans la salle. Qui a le micro ? La personne qui a le micro pose sa question. Ici. Où êtes-vous ? Là. Ah oui, complètement. Tout à l'heure, vous parliez de particules virtuelles dans le vide quantique, si j'ai bien retenu. Ces particules, elles n'existent pas tant qu'elles n'ont pas assez d'énergie, c'est bien ce que vous avez dit ? Moi, j'ai dit, elles sont présentes sans être tout à fait réelles. Et elles ont une énergie résiduelle ou quelque chose ? Elles ont une énergie, mais cette énergie est plus basse que leur énergie de masse, mc carré. Donc, comme on dit, elles sont en dehors de leur couche de masse. Donc, en fait, elles sont flappies, quoi. On peut rien en tirer. Okay, merci. Et donc, l'équivalent du baiser du prince charmant sur la pelle au bois dormant, c'est une collision de particules qui vient leur donner l'énergie qui leur manque, qui leur permet de s'incarner, et même d'avaler un peu d'énergie cinétique qui leur permet de sortir du vide quantique. Et en sortant du vide quantique, on les repère dans les détecteurs, ce qui permet de voir de quel type de particules elles sont issues. On va prendre encore une ou deux questions. Allez-y, je vous ai pris. On vient vers vous, monsieur. Bonsoir, merci pour la conférence. Je peux vous embêter un tout petit peu ou pas ? Ça vous dérange ou... Ben, essayez. Finalement, qu'est-ce que c'est le vide ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce titre ? Ça veut dire quoi, finalement ? Le monde s'arrête à la fin de la conférence, c'est la fin de tout ? Ou alors, est-ce que c'est la réponse définitive du vide ? On sait tout maintenant. C'est quoi ce finalement ? C'est la fin de quoi ? Moi, j'ai pas dit que c'était la fin de tout, puisque j'ai dit qu'il y avait deux vides. En physique, il y a deux vides parce qu'il y a deux théories qui servent de théorie cadre, qui ne sont pas incompatibles entre elles. Donc si on met la gravitation de côté, on peut dire, oui, le vide quantique, c'est le vrai vide, quoi. C'est un vide qui est plein, mais ce dont il est plein, ce sont des choses qu'on ne peut pas lui retirer. Donc le vide contient l'espace, les particules virtuelles, les champs quantiques dans l'état fondamental. Ça, c'est le vide quantique. Il est plein de choses qu'on ne peut pas retirer. Et j'ai dit tout à l'heure, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf ce qu'on peut pas retirer. C'est ça le vide. Okay ? Et ce vide-là, il est différent du vide qui apparaît dans les équations d'Einstein de la gravitation. Voilà. Donc on a, en théorie, on a deux vides. La question, c'est quel est le seul vide qui peut exister dans la nature ? Est-ce que c'est un mélange des deux ? Est-ce que c'est l'un qui est dans l'autre, etc. Donc le débat n'est pas clos. J'ai simplement dit que pour bien poser le problème, il faut les distinguer par le langage, pour ne pas les confondre et laisser entendre qu'ils sont une seule et même chose. Monsieur ? Oui, ma question était concernant l'expansion de l'univers. Est-ce que le vide se dilate au même rythme que l'expansion de l'univers ? Et donc, est-ce que aussi, comment dirais-je, la densité de ces particules endormies, du coup, se diminue au fur et à mesure que l'univers se dilate ? Alors, l'énergie du vide quantique, elle ne peut pas diminuer parce que c'est l'état de plus basse énergie. Donc il y a des scénarios, notamment développés par un astrophysicien qui s'appelle Kunzik, dont je parle dans le livre. Lui, il fait l'hypothèse que le vide quantique, c'est vraiment le berceau de l'univers. C'est-à-dire que le vide quantique connaît des fluctuations, et la gravitation qui s'applique à l'une de ces fluctuations a engendré l'univers en expansion qui est le nôtre. Okay ? Donc le vide a en quelque sorte gagné de l'énergie grâce à la gravitation, est en expansion. Étant en expansion, sa densité d'énergie diminue, parce que son volume augmente, jusqu'au moment où la densité va devenir égale à la densité d'énergie du vide quantique. Auquel cas, elle ne pourra pas diminuer, parce que c'est l'énergie minimale. Et donc l'idée, c'est que ce vide quantique, qui est à la fois le début et la fin de l'univers,
va donner lieu à une autre fluctuation qui va engendrer un autre univers, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle la théorie des univers bulles. Donc, le vide quantique, c'est une espèce de réservoir qui va provoquer l'apparition successive d'une quantité indéfinie d'univers, tous nés d'une fluctuation quantique apparaissant dans le vide quantique. Je ne sais pas si j'ai été clair. Il y avait encore une question. Mais oui, ça pose... Et après, non, moi, je... Ça pose... Attends, ça pose la question de l'origine de l'univers, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de l'origine de l'univers, de Dieu dans tout ça, etc. Vous en parlez aussi dans le... En fait, il faut déjà prouver que l'univers a une origine. D'accord ? Or, quand on parle de l'origine de quelque chose qui est dans l'univers, par exemple, les atomes ou les étoiles, qu'est-ce que je vais vous raconter si vous me posez la question « Quelle est l'origine des atomes ?» Ben, je vais raconter comment ils ont été formés par des quarks qui sont assemblés pour faire les protons et les neutrons, puis des réactions nucléaires dans l'univers primordial qui ont donné les atomes légers, puis les étoiles qui vont, par d'autres réactions nucléaires, fabriquer les atomes plus lourds jusqu'au fer, puis les explosions d'étoiles, ce qu'on appelle les supernovas, qui vont donner les noyaux encore plus lourds jusqu'à l'uranium. Autrement dit, raconter l'origine des atomes, c'est raconter l'histoire qui a précédé leur apparition, dont ils sont la conclusion. Autrement dit, pour un scientifique, le mot « origine » veut dire « conclusion ». Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter les processus qui ont précédé l'apparition de cette chose, et donc cette chose est la conclusion. Par exemple, votre origine, c'est vos parents, vos grands-parents, etc. Raconter votre origine, c'est raconter l'histoire qui vous a précédé. Ok ? Donc ça marche bien pour les choses qui sont dans l'univers. Mais si vous prenez l'univers lui-même, ça ne marche plus. Parce que ça reviendrait à dire que l'origine de l'univers que vous racontez a été précédée par une histoire qui l'a précédée. Mais s'il y a eu une histoire avant l'univers, ou avant l'origine de l'univers, ben c'est que l'origine dont vous parlez n'est pas l'origine. Autrement dit, quand on parle de l'origine de l'univers, on parle d'une origine absolue, pas d'une filiation. Et à chaque fois qu'on le fait, qu'on nomme l'origine de l'univers, on prononce une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Pourquoi ? Parce que vous allez dire l'origine de l'univers, c'est le vide quantique, ou bien c'est un œuf primordial, ou bien c'est un océan primitif, ou bien c'est un demi-dieu, ou bien c'est un titan, je ne sais pas quoi. Bon. Ben, ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là. Ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Ou bien elle n'a pas toujours été là, elle est elle-même la suite d'une cause qui l'a précédée, et dans ce cas, ce n'est pas l'origine. Donc à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous dites une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Si l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par du néant. L'origine de l'univers, c'est la transition entre le non-être et l'être. Il n'y a rien, absolument rien, et tout d'un coup, il y a un truc. Ben, personne ne sait si une telle transition a eu lieu. Et on ne le saura jamais. Alors, vous pouvez en savoir plus en lisant ce livre, ce qui est sans être tout à fait, et c'est sur le vide, par les éditions... Dont l'anagramme est... Acte sud. Ah, j'ai pas. Ben, ce qui est sans être tout à fait, c'est quoi l'anagramme? Ah ben, Einstein. Mais non, c'est casse-tête antique, tout frais. Ah ben non, mais j'avais pas noté celle-là. Ben oui, c'est un casse-tête antique, parmi etc., tout frais, parce qu'il y a du nouveau. Voilà. Les anagrammes, toujours les anagrammes. Alors, il y a aussi beaucoup de citations. Étienne Klein a fait pas mal de citations pendant la conférence. Il y en a aussi beaucoup dans le livre. Il y en a une qui me fait éclater de rire à chaque fois que je la lis, c'est celle de Georges Perec. « Oh, et les gars, nous sommes découverts. » C'est un Indien qui dit ça, apercevant Christophe Colomb. Je la trouve assez bonne. Et puis, il y en a une citation, parce qu'il faut savoir qu'Étienne Klein est un alpiniste, un grimpeur, un... Comment on dit ? Trailer, on dit ?
Je fais ce que je peux. Bon, il fait pas mal. Et donc, il parle évidemment de là-haut où le vide est plus vide encore. Il y a une citation d'un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Eri De Luca, qui lui aussi aime l'escalade. Escalader une montagne, c'est atteindre le terme où le sol cesse face au ciel. Pas de grillage, de barbelé, ni de clôture pour surveiller la frontière. L'air suffit. Ben oui, mais c'est un motif de conflit avec mes amis alpinistes. Eux, ils appellent vide ce qui est en dessous d'eux. Alors c'est au-dessus qui est... Il y a quand même une citation... Non mais quand vous êtes à 5000 mètres, faites le calcul, quand vous êtes à 5000 mètres, si vous tombez jusqu'au niveau de la mer, vous rencontrez beaucoup plus de matière que si vous allez direct sur la Lune. Donc le vide, c'est au-dessus. Donc ça veut dire que là, encore une fois, c'est une histoire de langage. La gravitation, elle polarise notre langage. La verticale change notre façon de parler parce qu'il y a la gravitation. Et on appelle vide ce dans quoi on peut tomber. Qui est en fait plein de trucs. Il y a une citation d'Étienne Klein. Il y a même des bosons de Higgs. Qui m'interpelle. Il y a des bosons. Moi, je dis ça à mes copains qui ont le vertige, qui ont peur de tomber. Oui. Je dis, mais les gars, n'ayez pas peur du vide, c'est plein de bosons de Higgs. Et ça ne les rassure pas, je ne sais pas pourquoi. Et justement, il y a une citation d'Étienne Klein. La peur du vide n'est pas identique à la peur de tomber, de la même façon que la peur de la mort se distingue de celle de mourir. Bah oui. La peur du vide, c'est pas la même chose que la peur de tomber. Et c'est la même chose que le vertige. Et la peur de mourir, c'est pas la même chose que la peur de la mort. Personne n'a peur d'être mort. Mais on a quand même peur de mourir. La façon de mourir, ça nous fait peur. Mais une fois qu'on est mort, on avait plus trop de soucis à se faire. Je suis pas sûre que vous passiez une très bonne nuit, parce qu'il va falloir revoir un petit peu tout ça. Voilà, en tout cas, un grand merci Étienne Klein, un grand merci d'être venu encore une fois chez nous ce soir. Merci beaucoup. Merci aussi de votre présence. Étienne va monter à l'étage au-dessus pour signer les livres si vous le souhaitez. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui participe à l'organisation de cette conférence, de ces conférences. Et nous avions 1200 personnes qui suivaient la conférence en direct sur Internet. Et je dois dire que la conférence sur le temps qui date de 2008 a 1 700 000 vues sur notre chaîne YouTube. C'est une des plus vues, je crois. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous, merci. Et puis regardez notre programme, vous verrez qu'il y a encore de très très beaux rendez-vous à venir et nous préparons ceux de la saison prochaine. Bonsoir et merci encore. Merci à tous.